Ce fait divers, ce matin, un élève a été sévèrement blessé à l'arme blanche dans l'enceinte du lycée professionnel Savary de Wattrelos. Vers 9 h, ce jeune homme de 18 ans aurait été attaqué par un individu étranger à l'établissement. L'agresseur, un ancien élève, serait parvenu à entrer dans le lycée armé d'un couteau et aurait frappé aux côtes ce jeune homme en seconde dans un couloir. Cette altercation concernerait une affaire personnelle. La victime a reçu des soins sur place par une équipe du SMUR et a été conduite à l'hôpital de Tourcoing. Sérieusement blessée, ses jours ne seraient pas en danger. Bien sûr, tout le corps enseignant a été fortement choqué par ce drame. On écoute le proviseur du lycée au micro de Baptiste Blic. L'ancien élève est rentré pour s'expliquer avec un de nos élèves sur un différend qui était à l'extérieur, et ça, à suite d'une bousculade, l'agresseur a donné un coup de couteau, heureusement superficiel, à la victime. C'est effectivement une chose, les différends entre personnes, il y en a partout. Donc ça peut arriver partout, c'est malheureux que ce soit arrivé ici, surtout malheureux pour la victime.